les faire entrer dans une culture. Alors je reprends Marx, hein. Ne me dites pas, oui, mais il y a la culture des cités. Non, non, Marx lui-même dit, il n'y a qu'une culture, qui est la culture dominante. En l'état, c'est la culture bourgeoise. Il n'y en a pas d'autre. Dès qu'on vous dit, ah oui, mais parlez-leur leur langue, c'est une façon de les mépriser, de toute évidence. Hein ? Ce qu'il faut leur parler, c'est la langue de Racine. Alors, j'exagère un petit peu. Moi, je veux bien qu'on leur parle aussi la langue de Céline. Je n'ai pas d'a priori là-dessus. Ou la langue de Stendhal, ou la langue de Hugo, etc. Mais dans tous les cas, leur parler autre chose que leur langue.